Ils sont les meilleurs pongistes de la Sarthe. Ces collégiens et lycéens s'entraînent tous les jours. Vous choisissez un grand. Et ce soir, ils s'échauffent avec des écoliers prometteurs qui rêvent de devenir comme eux. Toi, tu préfères jouer contre les grands ou contre les petits? Les grands. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont plus forts et bah que c'est bien. L'intérêt de mélanger les générations, c'est surtout de leur donner envie d'aller sur de la performance. Et puis, bah, ça, gagner quelques points contre des plus grands, on a toujours une petite fierté. Donc, on a envie d'y retourner et d'y écouter, quoi. Et ici, ils aimeraient surtout imiter cet ado de 13 ans, Emma Wibo. Médaillée de bronze en simple et en double au dernier championnat de France, sa timidité s'efface raquette en main. Des fois, ça me libère, ça me défoule en fait. Des fois, ça m'énerve aussi. Et puis, je prends du plaisir aussi, donc ça, c'est l'essentiel, quoi. Elle a énormément de qualités qui correspondent à une future athlète de haut niveau. Donc, nous, on a remarqué en elle qu'elle avait des qualités techniques, une vision tactique des choses. Et puis, elle a vraiment des qualités athlétiques aussi qui nous intéressent. Sa marque de fabrique, une balle travaillée soigneusement. Et ce, grâce à un travail conséquent en plus de ses cours de quatrième. 14 heures par semaine d'entraînement, agrémentées de compétitions à l'étranger. C'est le prix à payer, il faut beaucoup s'entraîner, il faut beaucoup passer de temps dans les salles, il faut s'investir et il faut surtout résister à la charge de travail, c'est le chemin du haut niveau en effet. Pour l'instant ça va, elle résiste bien? Oui, pour l'instant elle résiste et c'est pour ça qu'on l'accompagne dans ce projet. Ton rêve? Les JO, de devenir la plus forte possible. Emma vise rapidement ses premières sélections en équipe de France et veut intégrer l'équipe senior féminine du Mans qui évolue au plus haut niveau national. Histoire de faire rêver encore plus petits et grands manceaux.